La femme et l'avenir de l'homme, c'est un bouquin que j'ai fait en 2012. Voilà, parce que quand les islamistes ont pris le pouvoir en Tunisie, j'ai vu le danger guetter la femme. Parce que la seule richesse de la Tunisie de Bourguiba, je veux dire la Tunisie des années 60, des années 70, c'était le statut de la femme. Ils sont mauvais. Il dit des gros mots, il joue, il fume son cigare et il n'aime pas travailler. Moi, l'égal de l'homme, jamais. J'avais une obsession, c'est de communiquer. Et l'image, elle est beaucoup plus forte que le texte. Bien que je maîtrise un peu le texte, mais j'essaie de toucher les gens parce qu'ils les touchent le mieux. Et je crois que le dessin de presse, la bande dessinée et tout ça, c'est rapide à lire, ça fait peut-être sourire, hein, pas toujours parce que, comme la musique qui ne fait pas toujours danser, le dessin de presse ne fait pas forcément rire. Il peut faire pleurer, il peut, mais il Touché. interpelle, c'est l'essentiel. Donc, j'ai eu cette idée-là parce que je voulais communiquer coûte que coûte.